Excellent! Préviens la sorcière de Salem qu'elle prépare un piège pour les Ghostbusters. Mais j'ai pas peur! T'as peur, toi? Oh bah non, pas du tout. Je vois pas pourquoi j'aurais peur. La sorcière de Salem n'a jamais existé, alors. Et alors, qu'est-ce que tu attends? Ce que j'attends, c'est toi. Ben je suis là. Ah oui, t'es là. Bon, alors vas-y, passe devant, je te suis. Hermie, tu devrais avoir honte. Tu as été un lâche toute ta vie. Tu ne changeras donc jamais. Qu'est-ce que c'est ça? T'as entendu ce que j'ai entendu? Qu'est-ce qu'il y avait à entendre? Il n'y a rien à part ce léger vent dans les... Oh, les arbres! Nous allons leur faire une peur de tous les diables, ces misérables petits vauriens. Il ne restera plus qu'à faire venir les Ghostbusters. C'est la sorcière de Salem. Il faut pas traîner ici. Attends, c'est peut-être quelque chose d'autre. En y réfléchissant, c'est pas si évident. Allons, vous êtes bien chez les Ghostbusters, un coup de chance. Ils ne sont pas là, sinon ils auraient encore dit qu'ils étaient disponibles. Je t'ai déjà prévenu, alors attention. Allô? Quoi? Non, je ne crie pas. Oh, pardon. Qui? Le poste de police de Salem? Mais attendez, si c'est pour la contravention, Non, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Pardon? Le neveu de Jessica vient d'apercevoir une sorcière. Mais bien sûr que ça nous intéresse. Au Ghostbusters! Let's go.
Il faudrait, grand Beb, que tu envisages de te mettre sérieusement au régime, espèce de gros plein de poids. Ils ont mordu à l'hameçon. Vous êtes diaboliquement génial, monstrueuse idée. Pauvres innocents, ça va être encore plus facile que je ne l'aurais pensé. Une fois de plus, vous avez raison, ô monstre de malice. Les Ghostbusters ne vont pas tarder à arriver à la maison hantée de Salem. Et là-bas, nous pourrons nous emparer de leur dématérialisateur. Mais je vois qu'on ne peut rien te cacher. Oh, pas une vie! Salem est un centre pour fantômes en tout genre depuis des centaines d'années. La sorcière vient peut-être d'un autre espace temporel, alors il vaut peut-être mieux prévenir Futura. Oui, oui. Je vais lui demander de venir nous rejoindre à Salem. C'est pas possible, je rêve, vous voyez ce que je vois? Futura! Elle vient à la rencontre des Ghostbusters! Ces pauvres imbéciles sont donc incapables de faire quoi que ce soit tout seuls! Enfin, ça n'est pas grave, elle va arriver à Salem, mais quelque part dans le passé. En 62, par exemple, l'année de la grande chasse aux sorcières. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais beaucoup trop loin dans le passé. Je n'arrête pas de vous le dire, il y a des sorcières dans ce village. Regardez donc autour de vous, vous les apercevez, elles sont toutes autour de nous. Et quand nous les aurons trouvées, nous les enduirons de goudron et de plumes et nous les chasserons de la ville. Gardez les yeux grands ouverts, écoutez autour de vous. Et si jamais vous découvrez une sorcière, prévenez-moi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Arrête, c'est ici. Tout semble super tranquille. Oh, on peut passer tout de suite à autre chose. Allez, il faut garder le moral. On a une mission à remplir. Excellente chose, ils sont venus exactement où je le souhaitais. Bon, pendant que la sorcière leur donnera la chair de poule, je leur volerai le dématérialisateur. Toi... Ah, mais non, pas question, voyons. Non, non, non. Aïe. Vous allez arrêter un peu. Jusqu'à présent, tout va bien. C'était quoi, ça? Vous allez arrêter de faire ces singeries, oui? Ah, je ne te visais pas particulièrement, Tracy, mais quand on trouvera un fantôme, on le saura, t'inquiète pas. Sans me vanter, je crois que c'est déjà fait. La sorcière de...
Salem. Viens donc auprès de moi, mon tout beau. Allez. Dis-moi. Non, non, elle doit parler de toi, Tracy. Il est temps de passer à l'action. Ça y est, il est entré dans la maison. Vas-y, branche l'effrayateur. Que voulais-tu pour empereur de la fourberie, hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi au maître, les Ghostbusters, et le dématérialisateur saut dans l'effrayateur. Bravo, tu as bien parlé, beau travail. Évidemment, ferme les yeux. Oh, il faut qu'on sorte d'ici. Regardez, c'est la pleine lune. Il faut employer les gros moyens. Oh, donne-moi la force supérieure. Vite, 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 j'ai pas de temps à perdre. Vite. Ah non, 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 c'est pas ça. Non, j'ai la vitesse supérieure. Accrochez-vous. Oh, les chaussures. Ils vont beaucoup trop vite, ils vont revenir dans leur temps. Qu'est-ce que tu as encore fait? Moi, mais j'ai rien fait de mal aux vénérables immondices. Espèce de misérable larve, tu as envoyé les Ghostbusters dans le passé avec cet infâme futur. C'est juré ou judicieuse monstruosité. Je ne sais vraiment pas comment ils ont pu disparaître à cette vitesse. Que toutes les sorcières regardent ce qui se passe. Voilà ce que nous leur réservons si elles osent se présenter un jour à Salem. Mettez la sorcière dans l'entrepôt. Une petite minute, s'il vous plaît. Je veux sortir! Jamais, sorcière! Attention, ouvrez bien l'œil. La sorcière a peut-être des complices. Je savais que cette pointure ne m'irait certainement pas. C'est vraiment superbe, ça. Vous n'auriez pas ça, une demi-pointure en dessous, s'il vous plaît? Disparais tout de suite, monstrueux esprit du démon! Un esprit du démon? Ici? Ici. Oui! Je ne sais pas pour qui vous nous prenez, mais nous ne sommes pas des esprits du démon, pas du tout. Oh, mais bien sûr que si, vous êtes complice de cette sorcière venue d'on ne sait où. Oh, bonjour, bonjour, je ne suis pas mécontente de vous voir. Mais débarrasse-la de ça, Tracy. Il est débarrassé de ses propres vies, vous y allez. Arrêtez! Oh, merci, Tracy. J'aime bien ça, moi. Emparez-vous de ces esprits du démon. Et emmenez-les à la mairie. Enduisez-les de goudron et couvrez-les de plumes. On a le droit d'être jugé. Oui, c'est vrai ça, on exige d'être jugé. Regardez aux sorciers des méchancetés gratuites. La population du village s'occupe des Ghostbusters. Ne te réjouis pas trop vite, une fois de plus. Nous n'avons toujours pas pu récupérer leur dématérialisateur. Attendez, j'ai une idée. Quoi, toi? Je suis le seul qui soit autorisé à avoir des idées par ici. Oh oui, bien sûr, ô empereur de la souffrance immorale, je suis votre fidèle serviteur et humble. Voilà donc mon plan. Les Ghostbusters vont être jugés comme esprits du démon.
Mais votre impureté, ce sont pas des esprits du démon. Exactement, mais le jury, lui, sera composé exclusivement d'esprits du démon. Ah, oui. Mais des esprits du démon à ma soeur. Je comprends. Ne vous inquiétez pas. Aucun jury ne peut nous condamner. Silence! Vous êtes accusé d'être des esprits du démon. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Que nous ne sommes pas coupables. Nous allons voir ce que va en penser le jury, misérable. Les jurés peuvent sortir et pour établir leur verdict. Nous avons établi un verdict, votre honneur. Coupable. 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 C'est bien ce que je pensais. Coupable. Mais attendez une minute, il y a quelque chose de louche là-dedans. Il faut arriver à démasquer les jurés. Tracy, sors le dématérialisateur de ton sac à dos et dépêche-toi. Voilà, je branche le dématérialisateur sur faible intensité et je vais faire disparaître leur déguisement. Ils ont le dématérialisateur. Il ne faut pas traîner ici. Allons, sauf qui peut. Il ne faut pas qu'ils s'enfuient. Il faut absolument les rattraper. À moi, les Ghostbusters! Hop, non! Ce sont tous des esprits du démon. Ne les laissez pas s'enfuir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce que vous faites généralement, vous vous reposez entièrement sur moi. Retournez immédiatement au quartier général, misérable larve! Regardez ces diabolus en personne. Oh, c'est certainement le chef de tous les démons, attrapez-le! Pauvres humains! Le voilà, votre vrai démon, et ça n'est pas le cas de Futura, ni des autres que tu as appelés des sorcières. Mais, je croyais que vous aussi, vous étiez des esprits du démon. Pas du tout. Notre travail, c'est de mettre la main sur les esprits du démon et de les faire disparaître, là où ils n'ennuieront plus personne. Alors, j'avais tort, et il faut que je rachète mon erreur. Alors, peut-être que si vous acceptiez de travailler avec moi, nous pourrions réussir. Mais, bien entendu, et nous pouvons commencer tout de suite. Non, impossible, on ne peut pas le dématérialiser, il est beaucoup trop fort. Mais j'ai un moyen de le calmer quelque peu. Et maintenant, pauvre petit dragon dégénéré, je vais te montrer comment il faut agir avec les Ghostbusters. Et tu crois que le dématérialisateur grotesque peut me poser un problème quelconque à moi, le maître des forces du mal? Le prince de la fourberie! Le guignol, dit guignol! Oui, pas beau le gars là. Le dématérialisateur ne peut peut-être pas t'éliminer définitivement, mais il peut t'affaiblir suffisamment pour que la population du village puisse s'emparer de toi. Quoi? Arrêtez, misérables humains! Vous n'êtes que des porcs. Ayez donc l'apparence de porcs! Disparaissez! Oh non, le dématérialisateur a annulé tous mes pouvoirs! Laissez-moi! Beau spectacle. Bon, elle est jolie. Sournor, fais quelque chose! Aide donc ton vieux maître! Dépêche-toi! Dépêche-toi!
moi, enfin, voyons. Aucun risque, pas trop. J'ai jamais tellement aimé le noir et le blanc. Vous allez me le payer, tout. Et toi, tu me le paieras très cher. Je crois qu'il a eu son compte. On va relier le bijou et le dématérialisateur. Comme ça, ça devrait nous donner assez de puissance pour le renvoyer là-bas, au quartier général. Ça vaut la peine d'essayer. Attention au départ. Je vous retrouverai un jour, les grosses vaches. Et vous me le payerez. Voilà, il ne vous ennuiera plus. En tout cas, pas avant un bon moment. Et nous ne chercherons plus une sorcière derrière chaque buisson. C'est terminé. Vous nous avez aidé à comprendre quelque chose sur la compréhension et la tolérance, mes jeunes amis. Je crois qu'il est temps de rentrer chez nous. Je crois, oui. Je crois qu'on peut dire que cette maison ne vous posera plus aucun problème. Heureusement que nous l'avons achetée parce que papa a dit que nous aurions fini de déménager demain soir. Tu as peur qu'il revienne un jour, peut-être ? Mais non ! Tu sais quoi ? Je crois pas qu'on ait de gros problèmes maintenant avec les fantômes. Et en plus, ils ne peuvent pas faire beaucoup de mal, alors, de toute façon. Ah oui, c'est vrai, ça ? Oui, et si jamais ils essaient, on saura à qui faire appel. Au Ghostbusters ! Thank you.